Bonjour Amber. Carrie et Walter ont l'air malades. Y a-t-il une épidémie de grippe? Porter un masque est une bonne idée. Bonjour, robot ambulance. Tu es là pour aider Amber? Oups! Elle est devenue folle? Le masque arrive droit sur toi. Attention, Tom. Le robot ambulance agit bizarrement. Et Amber est blessée. On va l'emmener dans ton garage. Faisons l'inspection. Ton enjoliveur cassé doit être remplacé. Et tu as aussi cassé tes phares. Mais Tom est là, prêt à te réparer. Enlevons l'enjoliveur cassé. Il est temps d'en acheter un nouveau. As-tu le bon pour Amber? C'est la mauvaise couleur. C'est la bonne. Tu te connais bien. Et enfin, un nouveau phare. Ne laisse pas Amber te battre cette fois. Oui, c'est la bonne. Amber est enfin redevenue elle-même. Prête à poursuivre ton robot ambulance fou? Tom doit être en train de préparer quelque chose. Ah ah! Un distributeur de masques pour t'aider à distribuer les masques. Merci, Tom. Au revoir. Ils ont vraiment besoin de masques. Carrie, Walter, préparez-vous à recevoir vos masques. En plein dans le mille. Oh oh, le robot ambulance fou est encore là pour vos masques. Vite, utilisez le distributeur de masques. Ne prenez pas ce qui n'est pas à vous. Bonjour, Père Noël. Vous livrez les cadeaux de Noël? Salut, Tom. Prêt pour la visite du Père Noël? Le vent semble très fort. Oh non! Vous allez bien, Père Noël? Tom, le Père Noël a besoin de ton aide. On va réparer son traîneau dans ton garage. Tom, prêt à commencer l'inspection? Wow! Ce cadre a pris un mauvais coup. Cette pièce ébréchée est presque en train de tomber. Tu ferais mieux de commencer, Tom. Recollons d'abord le morceau ébréché. Oups. Ne vous inquiétez pas, Père Noël. Donnez-le à Tom, il va le réparer.
Beau travail. Il est temps de remplacer le cadre endommagé. Hey! Hey! Ah ah! Une scie pour le couper. Super. Bien. La sécurité avant tout. Calmez-vous, Père Noël. Tom sait ce qu'il fait. Super. Plaçons un nouveau cadre. Lequel conviendra au traîneau? Vous avez tous les deux raison. Alors, où est la machine à souder? Enfin, le traîneau est comme neuf. Ces cadeaux doivent être livrés. Tom, as-tu un cadeau pour le Père Noël? Ah ah, une télécommande pour le traîneau pendant les vents forts. Joyeux Noël, Tom. Au revoir. Déposons les cadeaux restants sous le sapin de Noël. La télécommande est vraiment très utile. Merci, Père Noël. Joyeux Noël à tous. Salut, Tom. Est-ce que Jerry et Crocomile sont sur le point de faire la course? C'est parti. Jerry, tu es sur le point de perdre ta place. Attention aux œufs qui forment des nuages de fumée. Oh non, tu vas t'écraser. Aïe, ça doit faire vraiment mal. C'était très dangereux, Crocomile. Jerry, tu pourras courir à nouveau après une réparation au garage de Tom. Commençons l'inspection. Le phare de ton capot est cassé. Et ton tuyau latéral est tordu et a failli tomber. Tom, tu ferais mieux d'agir vite. Commençons par le tuyau latéral. Oui, une machine à souder, ça sera parfait. Et voilà tes lunettes de protection. Oups, donnons à Jerry un nouveau tuyau latéral. Ok, Tom, lequel s'adaptera parfaitement? Oui, c'est bien ça. Bien joué. Maintenant, le nouveau phare. Tu en as un qui est assez grand pour le capot de Jerry? Ah ah! Il y en a un juste sur la table. Jerry est enfin redevenu lui-même. Il est prêt à reprendre la course. Tom, qu'est-ce que tu fais? Ah ah! Un rayon télékinétique à utiliser sur les pièges de Crocomile. C'est parti pour la course. Allez, Jerry. Vite!
Utilise le rayon télékinétique. Fumé par ton propre œuf. Ça t'apprendra à essayer de tricher. Tu as finalement appris à toujours être juste. Oh non, Monster Truck Fou est en train de détruire la ville. Bonjour Tom, bonjour Marley. C'est dangereux de faire des cascades dans les rues. Aïe, c'est une rampe. Ne le fais pas, Monster Truck. Oh non, il va se faire mal. Tom, Marley, attention! Veuillez d'abord fermer la bouche d'incendie. Les cascades se sont terminées par un accident. Aidons-le. Tom, tu peux le réparer dans ton garage? On commence l'inspection, Tom? Tu es hors de contrôle parce que ton bon bouton est cassé. Et tu as aussi un feu supérieur cassé. Mais Tom est prêt à relever le défi. On commence? Réparons d'abord le bon bouton. Waouh! Stop, Monster Truck! Ce n'est pas un endroit pour les cascades. Tom, dépêche-toi avant qu'ils ne détruisent tout. Ouf, Monster Truck est de nouveau en pleine forme. Maintenant, nous pouvons réparer le feu en toute sécurité. As-tu la bonne taille? Non, ce n'est pas la bonne. Ah, maintenant tu l'as. Relax, Monster Truck est juste très content de retrouver son ancienne personnalité. Es-tu prêt à faire des cascades? Au bon endroit? Ah, on dirait que Tom prépare quelque chose. Un super réacteur pour que tu ne te blesses pas à nouveau. Allons voir quelques cascades. C'est parti, Marley. Waouh, quel beau mouvement. Vite, utilise les super réacteurs. Ouf, c'était tout juste. Allez, Monster Truck, tu peux le faire. Oups, le camion diabolique de pompiers est de retour. Et il provoque un désordre gluant. Bonjour, Frank. S'il te plaît, agis vite et arrête-le. Ah, c'est un duel. Oh non, tu n'as plus d'eau. Cours. Oh non, il t'a piégé dans un cube de bave. Bonjour Tom, Frank est coincé. Tu peux l'aider? Le tuyau d'eau fonctionnera bien mieux.
Bon travail. Aidons-le à se relever et préparons-le dans ton garage. C'est l'heure de l'inspection. Oh, regarde, ta sirène est cassée. Ton enjoliveur l'est aussi. Tom, prêt à réparer Franck? Commençons par la sirène cassée. As-tu la bonne pour Franck? C'est la mauvaise couleur. Oui, même Franck approuve. Bien joué. Enfin, l'enjoliveur cassé. Ok, Tom, fais un choix. Trop gros. Tu as raison. Franck est enfin redevenu lui-même. Prêt à retourner arrêter le diabolique camion de pompiers? Tom, tu as autre chose pour Franck? Ah, un ventilateur pour t'aider à combattre la bave. Merci, Tom. Au revoir. Franck est là pour t'arrêter, camion de pompiers diabolique. Vite, utilise ton souffleur d'air. Il n'est pas de taille pour toi, Franck. Coincé dans ta propre bave. Le parc est enfin propre.